La première phrase dit « J'ai rencontré Dean peu après la mort de mon père ». Vous voyez, donc vous avez là deux narrateurs qui sont foncièrement différents. Vous avez dans la version de 57 qui a été utilisée pour toutes les adaptations antérieures à la nôtre, un protagoniste qui a déjà vécu puisqu'il est en train de divorcer sa première femme. Dans le rouleau que Kerouac a toujours voulu publier mais ne l'a jamais vu en vie publier, en fait, ça part vraiment de la perte du père et la fuite en avant du personnage et du livre en quête de toutes les formes de liberté, en quête d'une dernière frontière américaine, instiguée par ce personnage de Dean, elle est possible justement parce qu'il vient de subir une douleur qui n'a pas d'égal, et il faut qu'il se reconstruise en tant qu'être humain, que personnage. I first met Dean not long after my father died. I was a young writer, trying to take off. If Dean just raced in society, he had just married a 16-year-old chick named Mary Lou. Where do you find such absolutely wonderful people? I've never seen anyone like them. Don't do anything I wouldn't do. With the coming of Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road. You finally got on that old road. He does not feel responsibility towards others. But Dean gives everyone a damn good time just being himself. Gives illusions. Comment est-ce que nous avons fait le casting de ce film? On a commencé très très tôt en 2006. Un des acteurs du film, qui s'appelle Garrett Hedlund, il est parti du Minnesota, où il habitait dans une ferme avec son père. Et pendant 3 jours, étranglé, il a pris le bus, un bus pour venir faire justement le test. Pendant le trajet, il a écrit tout un texte sur son expérience là. Après avoir lu deux des scènes écrites, qu'il a interprété merveilleusement, il nous a dit « Est-ce que ça vous gênerait si je lis un texte ?» Et il a lu le texte justement qu'il avait écrit sur son voyage à lui. J'étais le seul qui savait que c'était un texte personnel. Les gens de l'équipe qui n'avaient pas parlé avec lui ne le savaient pas, et donc tout le monde disait mais il lit incroyablement bien Kerouac. Il y a dans Marie-Lou un personnage assez extraordinaire puisqu'elle est 20 ans peut-être en avance sur son temps. Elle choisit ses partenaires. Elle part quand elle veut. Oui, bien sûr, elle subit, mais elle fait subir également. Et elle est un personnage qui n'est pas la victime et qui n'a pas, dans ce sens-là, elle n'est pas guidée par le sens d'un péché, si tu veux. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse porter, et au contraire elle définit plusieurs des actions, et ça j'ai eu envie aussi de, non de le souligner mais de rester avec elle tout le long de ce récit, parce que c'était un personnage qui m'est devenu de plus en plus important. I don't know what's wrong with me. I do all these dumb things and I think in all these distorted ways. You know I'm burning up. I shambled after as usual, as I have done my whole life after the people that interested me. Because the only people that interest me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time. The ones that never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like Roman candles across the night.